C'est une première dans son histoire. Le 15 de France aborde la Coupe du Monde qui débutera le 8 septembre avec le statut de favori. Conséquence de l'impressionnante génération sur laquelle peut s'appuyer Fabien Galthié. La meilleure de l'histoire selon Éric Champ, ancien avant des Bleus. À chaque poste, il y a des joueurs qui sont des références mondiales. Et il y a deux ou trois joueurs comme Dupont, Penaud, Aldrit ou Olivon qui sont des grands joueurs d'exception, a-t-il ainsi confié auprès du Disport. Capitaine des Bleus, Antoine Dupont sera évidemment une fois encore le fer de lance de ce 15 de France. Le Français est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde. Antoine Dupont, il est hors norme. Moi je pense que depuis Gareth Edwards du temps des Diables Rouges Gallois des années 70, on n'a pas vu un demi de mêlée avec autant de talent. C'est rare, a-t-il poursuivi, ajoutant, il a beaucoup de talent. Et après il y a des grandes compétitions comme celle-là durant laquelle les joueurs immenses doivent tracter et nous délivrer. Mais pour Clément Poitrenaud, entraîneur des lignes arrières au stade toulousain, Antoine Dupont a encore une marge de progression. On en parle tellement d'Antoine Dupont que tout a été dit. Nous, on a un regard différent parce qu'on le voit tous les jours. Je ne pense pas qu'il soit au sommet de son article. Parce qu'il en a encore un peu sous la pédale, a-t-il affirmé. Ajoutant, son évolution, elle est évidente, entre celui qui est arrivé il y a quelques années et le joueur qui maîtrise désormais la totalité du jeu, du poste, à la fois sur l'aspect stratégique, sur l'aspect physique, sur l'aspect mental aussi. Le fait qu'il rayonne positivement sur ses partenaires, sur l'arbitre et sur les adversaires. C'est la marque des plus grands. Mais pour l'ancien arrière des Bleus, si Antoine Dupont veut asseoir son statut et entrer définitivement dans la légende du rugby, sa mission est claire, mener le 15 de France sur le toit du monde. Mais quand on veut faire partie des plus grands, la Coupe du Monde, ça reste le Graal. Donc il sera évidemment très attendu. Mais pour marquer l'histoire, il faudra être champion du monde. A-t-il asséné, ajoutant, ce n'est pas une mince affaire.